Bonjour, Shalom, en direct de 613 TV pour la halakha du jour. Donc, halakha sur la parashat Zachor. Vous savez que le Shabbat qui précède Pourim, on a l'habitude, dans la synagogue, dans les synagogues, de sortir deux sifrei Torah. L'un pour lire la parasha de la semaine, du Shabbat, et l'autre pour lire la parasha de Zachor. Zachor, traduction littérale, qui veut dire « souviens-toi ». Donc, on lit la parasha de Zachor, du souvenir de ce qu'a fait Amalek au béni Israël. La lecture de cette paracha est une obligation de la Torah. Vous savez que chaque Shabbat, on sort le Sefer Torah et on lit dans le Sefer Torah, mais cette obligation est une obligation qui est d'ordre rabbinique. Une fois dans l'année, nous avons l'obligation de lire une paracha dans la Torah, et cette obligation vient de la Torah, c'est la paracha de Zachor. C'est pour cela qu'il convient ce Shabbat Zachor, le Shabbat qui précède Pourim, de sortir le Sefer Torah qui soit le plus kasher possible qu'il y a dans le Beit HaKnesset pour accomplir le commandement positif de lire cette parasha de Zachor, du souvenir de ce qu'a fait Amalek au peuple d'Israël, dans un Sefer Torah mehoudar, c'est-à-dire le plus kasher possible. À très bientôt.